Ah ouais, d'accord. Ah non, mais... Ah, c'est super ça. Bon, bah, mesdames et messieurs, hein, je vous l'avais dit, de toute manière, hein, j'ai eu un petit problème de connexion. Voilà, quitter la session. Oui, voilà, on recommence. On recommence, hein. Mako a littéralement sauté. J'ai ma connexion internet qui a sauté. J'ai pas d'explication plus rationnelle à ça. Voilà, j'ai pas. J'ai pas. Je saurais l'expliquer, bon, bref. C'est comme ça, on va pas se. Bon bref. Bon bah tant pis hein, pour cette partie avant. Hein. Ça a crashé, ça a crashé. De toute façon, je l'avais dit que j'avais des problèmes de connexion. Faire en sorte que j'ai détecté la présence d'identité. Faire marcher l'identité dans du sel. Je n'ai absolument rien de tout ça. C'est bien dommage. Ah et du coup ça a coupé le stream et du coup il a repris. Du coup, ça sera en plusieurs épisodes. Voilà. Bon, bah, mesdames et messieurs, vous aurez plusieurs épisodes. Hein. C'est pas de ma faute, c'est. C'est comme ça. Allez hop. Ce n'est pas du fait de ma volonté. Bon, bah, voilà. Allez, c'est parti. On refait la technique, on place tout devant. Les éléments importants. J'ai l'impression qu'on va un peu plus vite en courant accroupi qu'autre chose. On va prendre la torche, l'autre torche. Ça. Alors. Caméra, pas besoin. Ça, j'en ai besoin. On va prendre je suppose que c'est un détecteur sonore. On va, putain, l'appareil photo, j'ai oublié à peu près. On n'oublie pas l'appareil photo, hein. Voilà, on va pas oublier quand même. C'est important. Ouais, voilà. Voilà, faut pas oublier. Ah là là. Attendez, c'est pas la bonne voix? Ah. C'est cette voix-là un peu. Voilà, c'est super. Waouh, la pluie, c'est impressionnant. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, on va reprendre détecteur EMF. J'ai trois objets. Ah, Wendy de retour après mon petit crash. Super. Donc, comme tu vois, j'ai changé de voix. Hein. C'est pas la même. Du coup, je disais. J-Journal, on va remettre le. Tac, le timer. On va laisser 10 secondes avant d'entrer. Comme ça, on se rassure. C'est bon, parti. Ouais, toujours le. Il n'y a toujours rien dans cette chambre. Salle de bain, RAS. Je vais me remettre. Oh bah, normal, je suppose que ça doit être bizarre pour vous quand même. Chambre bébé, y'a que dalle. Que dalle. Placard ici. Rien du tout. Placard ici, que dalle. Cette chambre-là. Toujours les pantoufles. Salle de bain, y'a rien. Ici, y'a rien. Ok. Bah, comme tout le monde, pourquoi je. Bordel!
Je sais ce que c'est. Je sais quel fantôme c'est. Sa race. Y'a pas besoin d'enquête, hein. Je me casse de cette baraque de merde. Bah comme tout le monde, pourquoi ça t'inquiète, ça change de voix tous les matins ici. Il fait flipper le truc. Je m'attendais pas à ça, waouh. C'est pas un spectre, c'est pas un fantôme, c'est le mec qui prend possession en fait, qui imite les hommes. Non, c'est pas ça. Non. Le pouvoir, non. Cauchemar, non. Revenant est à moitié vu la distraction, leur vitesse de déplacement, non. Une ombre est timide, elle semble qu'une ombre cessera toute activité, non. Un démon est une entité agressive dans les rayons attaquant, non. Un Yura est une entité qui est revenue dans le monde physique dans une optique de vengeance. Un Oni adore effrayer la plupart de ses et attaque souvent. Oni. C'est un Oni. Non. Une entité qui obtient un vrai. Non. Non. Ah, un Obaki sont de terrifiants métamorphes capables de prendre de nombreuses formes. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Nom de Dieu. Je m'attendais pas à ce que quand je rentre dans la baraque, il me saute directement dessus avec sa forme humanoïde. Ah, le violent. C'était un djinn, merde, raté. Ah, ça m'a mis mal par contre, hein. Ça m'a mis très mal. J'ai fait de la merde, mais ça m'a mis très 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 mal. Donc maintenant je sais que les djinns peuvent prendre forme humaine. Mais ça m'a mis super mal. J'étais pas prêt à ça. J'étais absolument pas prêt. Empêcher l'entité à faire en sorte que l'entité éteigne une bougie détectée. Non, je peux pas faire ça. Alors attendez. Non. Attendez. Non, c'est toujours pas ça. J'ai un petit problème avec mon timer.
Ah oui, j'ai un problème avec mon timer. Bah, je vais le supprimer du coup. Je vais recommencer. Texte. Super. Ce texte-là. Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est... Ah, je me suis planté. Voilà. Voilà, j'ai rétabli le timer, on va dire. Tu pourrais me montrer la page du djinn après? Oui, bien sûr, je peux te la montrer. La page du djinn. Le djinn. Il est également connu pour pouvoir se déplacer à une vitesse en force. Voilà. C'est ça le djinn. Voilà. J'avance quand même un peu. Au détecteur EMF. Le bouquin, c'est après. Le spirit box en même temps que le bouquin. Il neige. Ça, putain, il neige. Il pleut pas, il neige. J'ai un peu... C'est un peu illogique vu ce qu'on a vu. Ouais, moi je pensais plutôt que c'était un truc humanoïde puisqu'on s'est fait agresser par un humanoïde. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. C'est le jeu. Un torche ultraviolette, on s'en fiche, la caméra ça va là. L'appareil photo je garde. Il me reste juste la torche et le truc sonore, on s'en fiche. Torche, on active. Appareil photo. Bon, alors... Quoi qu'il se passe dans cette baraque, je vous annonce, je suis pas prêt. On laisse toujours les 5 petites minutes, 5, 10, les 10 secondes de... et quelques. Quoique, attendez. Hey, oh! Qu'est-ce que c'est cette merde? Comment j'ai fait? Voilà, c'est ça que je voulais. Attendez. C'est ça. Ok. J'essaie d'enlever les deux petits points. En vrai, c'est pas vraiment humanoïde vu qu'il a dit un amas de matière et pas fort. Ouais. Ouais, mais ça ressemblait à un humain quand même. C'était quelque chose, quoi. Faudra revoir cet épisode, quoi. Revoir cet épisode plus en profondeur. Mais ouais, c'était quelque chose. Après, hein, on risque de réavoir ça. Hein. Si le jeu nous l'a proposé une fois, il peut nous le proposer une deuxième fois. Hein. Ça doit arriver régulièrement. Rien. Rien. Pas envie de me refaire peur gratuitement. Oh, si! Si. Tout va bien. Tout va bene. La salle à manger clean. La cuisine. Elle est clean.
La buanderie est clean. Le garage est clean. Entre guillemets, hein, c'est clean. Hein. Oh putain, ça la cave. Je vais chercher l'os et je vais me barrer. Et la Ouija, c'est pas mon truc. Mais vraiment, j'ai pas trouvé l'os. Ce qui m'inquiète fortement. Vu qu'on est là pour du farming, ça me dérange pas trop de pas le trouver. Le fantôme, mais alors l'os. Ne pas avoir d'os, ça m'inquiète un peu. J'sais pas. Il me reste 2 minutes 30 pour trouver. On va prendre notre temps. On va pas se précipiter. On va bien regarder. Il fait du bruit par contre. Il est pas silencieux. Il est dans le couloir. Si ça se trouve, il n'y a pas d'os, hein. Si ça se trouve, il n'y a pas d'os. Ça me fait flipper. Ah bon, ça te fait flipper, Wendy? Ah, c'est particulier, là. Il me permettra de communiquer avec les... Non. Non, non, non. Esprit, non. Je tente comme ça. On est en amateur après tout, hein. On est en amateur. Un en tout. Ah non, j'ai pas de... J'ai que 5 dollars parce que j'ai pris que la photographie, j'ai rien fait. Ouais. 5 dispo aussi, c'est pas mal, hein, j'aime bien. J'aime bien ne pas progresser. Un en tout. On retourne sur la maison. Amateur. Cauchemar personnalisé. Joueur santé mentale, santé récupérée, taux de sprint on. Vitesse, non. Fréquence de déplacement moyen. Changement de pièce, nombre d'interactions élevé, fréquence d'événements faible. Ah. Entité, fréquence. Entité amicale off. L'entité ne sachera jamais désactiver ce paramètre. Période de grâce. Ah, 6 secondes et ça démultiplie. D'accord, durée de chasse faible.
Mourir augmentant la durée de chasse. Preuve à apporter. 3, ouais. En fait, j'ai rien à changer, en fait. Ah ouais, non, c'est appliqué, ouais. Personnalisé. On va, en fait, ça sert à, c'est personnalisé amateur, quoi. Point. Hein. C'est de l'amateurisme. Hein. Bon. On continue encore un peu, hein. Ça fait du bien, après tout. Prendre une photo de l'entité. Faire en sorte qu'un membre de l'équipe échappe. Ok. Ok, ok. On va faire ça vite, hein. On va faire ça assez vite, les amis. On prend strictement le nécessaire. Le nécessaire. 3 voyages, ça suffit largement. C'est totalement faux, ça fait pas du bien. Ah, si, ça fait du bien. La lampe, on lâche pas. Le téléphone, on lâche pas. C'est ça qu'on lâche. Moi, franchement, ça me... Moi, je suis bien quand je suis dans le camion. Hein. Le camion me fait du bien. C'est dans la maison où je suis pas trop bien. Bizarrement, hein, bizarrement, évidemment. Allez, 5. Attendez. Putain, il est dans le couloir. Ok, c'est dans le couloir, proche de l'entrée. Comment vous dire que c'est une très très mauvaise nouvelle. Je ne suis certainement pas à l'aise à l'idée que ce truc soit à l'entrée. On va pas explorer les autres zones. Hein. Ça ne sert à rien. On va ouvrir grand ici. On dépose ça. Voilà, voilà. Hein. La caméra. On va venir la positionner là. Hein. Êtes-vous là? Que voulez-vous? Écrivez dans le livre. Que voulez-vous? Êtes-vous là? Écrivez dans le livre. Quel âge avez-vous? Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous là? Esprit, es-tu là? Que voulez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Écrivez dans le livre. Putain.
êtes-vous ? Écrivez dans le livre. Où êtes-vous ? Que voulez-vous ? Écrivez dans le livre. Où êtes-vous ? Que voulez-vous ? Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. Où êtes-vous ? Que voulez-vous ? Écrivez dans le livre. J'ai ce qu'il me faut. Moi, il y a un truc comme ça chez moi, je me barre à l'autre bout de la terre. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il m'a parlé. Il m'a parlé, mais il l'a pas écrit dans le livre. Il me reste 44 secondes. Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. Ok. Bon. C'est pas très probant. Ok. Donc, écriture fantomatique, détecteur Dodge. C'est un spectre vu que il veut pas écrire. Il veut pas écrire, donc c'est un spectre. Là, c'est que c'est pas un spectre. Je pleure. Allez, dis-moi que c'était pas un spectre et que je pleure. Un spectre. Ça va. Ça va. Ça va, c'est le raisonnement logique. Le raisonnement logique. Du coup, on y retourne directement. Hein, pas de... On est toujours en amateur. Hein, on se fait un peu de pognon. On se fait un peu de pognon parce qu'après ça coûte cher les équipements qu'on va les perdre en cauchemar ou en difficulté au-dessus, hein, en intermédiaire cauchemar. Et surtout on se prépare le pognon pour la petite soirée événement avec Mocha. Il sera je sais pas quand, il aura son petit BPM bientôt là. On va se faire flipper, on va pleurer. Alors prendre une photo de l'entité, repousser l'entité avec un 20 ton dans le sang. Atteindre une santé mentale de 25. Donc techniquement, tout est impossible sauf la santé mentale. Je suis bientôt avec... Oh, les 32 là, bien. J'adore, je kiffe. Donc ça en prend. On va tout déposer devant l'entrée. Je prends... Sésame, ouvre-toi. Allez. Allez, on y go. On la connaît, cette baraque, maintenant. À force, on lâche tout. On lui donne tout. On lui met tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. On prend la torche, on prend ça. Et ça, je peux pas le prendre. Si, je peux prendre. Nickel. Voilà. Donc, on récupère. Ça, c'est bon.
La caméra, on va la lâcher. On prend le... Merde, putain. Détecteur. Donc ça, ça, ça. J'ai oublié un truc dans le camion ? Non, oui ? Non, attendez. Si ? La lampe UV. C'est vraiment la... Je reviendrai pour la lampe UV si c'est vraiment nécessaire. J'ai jamais utilisé. En amateur, j'ai jamais utilisé la lampe UV. Je kiffe ce jeu, moi aussi. Par contre, ça me fait un peu yèche de toujours être en amateur, mais pour se faire des ronds facilement en étant seul, c'est ce qui est de plus simple. On remet le petit timer comme on aime. Tac ! 5 minutes ! Tant pis. Attention. C'est parti. Ah ! Ouvert la porte comme il fallait. Toujours dans l'ambiance. Clear. Clear. En effet, ça fait 180 heures seul, justement. Me continue un trésorier. Ah, tu es un trésorier, ouais. Ah, mais les techniques de ferme dans ce jeu, c'est... Waouh, faut y aller, hein. Faut donner sa personne, hein. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Bienvenue à toi. Si tout le monde allait comme vous... Ah mais moi là je suis un amateur, j'ai mon timer, je vois combien de temps j'ai en sécurité, j'y vais quoi, j'ai pas peur. Mais après faut y aller quoi, parce qu'une fois que j'ai les ronds, après je vais en cauchemar, en intermédiaire et puis je vais tout claquer hein. Ah là là, oh, c'est pour préparer un événement hein. Ah oh, je me ferais pas chier à farmer juste pour que dalle hein. Là j'espère obtenir 30 000, je suis à 2 000. Donc il me faut encore 28 000 de pognon. C'est compliqué, 28 000 de pognon. Salut tout le monde, comment allez-vous ? Moi je vais nickel en tout cas. C'est un djinn. Voilà. C'est un djinn. Pas besoin de se poser cette question. Je ne joue qu'en cauchemar, on n'a même pas d'infos et s'il répond à la spirit box seul ou plusieurs. Et il me manque une preuve aussi. Ah ouais. Alors attendez. On va la faire comme ça. Où êtes-vous? Que voulez-vous? Où êtes-vous? Que voulez-vous? Quel âge avez-vous? On va reprendre le MF. Ça veut rien dire le pentacle, mais c'est pas grave. Oui, cauchemar, c'est que deux preuves. Ouais. Bah, en même temps, avoir une troisième preuve, c'est synonyme de mort. Il en a pas le temps. Bon, le MF, il va rien me dire. Moi, je trouve un. Oh, d'accord. Sur Genji. On va lâcher ça, on va prendre le bouquin. On y va un peu à la brutasse, il reste que 2 minutes. 2 minutes 20. On n'a pas forcément le temps. Au moins, ça me permet aussi d'avoir des spots. Où êtes-vous? Que voulez-vous? Écrivez dans le livre. Que voulez-vous? Où êtes-vous? Écrivez dans le livre. Quel âge avez-vous? Que voulez-vous? Écrivez dans le livre. La caméra filme. Pas de réponse. Je crois que j'ai entendu l'UMF. Non. T'es pas sonné toi? Si, t'as sonné. Bon, en tout cas, moi je dis que c'est un djinn. Parce que j'ai déjà eu ce pentacle à la con. En tout cas, j'ai mon os. J'ai récupéré la preuve. Pas de démystification plus appropriée que ça. Dis-moi, Fluffy Style, tu sais depuis quand ils ont fait la mise à jour de Phasmophobia, là, le nouveau hangar? Quand tu cherches la pièce, dès le départ, je te recommande la bougie pour maintenir ta santé mentale à fond, comme ça. Aucune assurance de chrono. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que je ne prends aucun équipement. Je fais avec le stuff standard.
Ce qui fait qu'en fait, je me débrouille avec le couteau et ma... Voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment la... De trouver ces... fantômes qui essayent de me... Fort. Tu vois, c'est... Ah ok, tu fais avec le matos. Ouais, je fais avec le matos de base. Comme ça, si je meurs, je ne perds rien. Je ne perds pas de thunes. Ou en tout cas, je me fais pas rembourser la moitié. Ce cercle d'invocation a l'air dangereux. Les annotations qui me tuent. Bon, en tout cas, pour moi, les cercles, c'est les djinns. Entre guillemets. En tout cas. En tout cas, le point de vue est pas mal. J'ai stoppé avant la map prison, mais elle n'est pas là depuis si longtemps, la mage. Ouais. Bon, faut que je visite un peu les maps, parce que moi, ça fait 2 mois et demi que j'ai pas joué à ce jeu. Donc j'ai été très surpris quand je suis allé dans le lobby, en fait. Le lobby m'a surpris, en fait, le nouveau lobby. Je m'attendais à être dans la petite pièce avec le tout renfermé, là, tout minuscule. Je m'attendais pas à voir ça, en fait. Halloween, je crois, elle a été dispo quelques jours avant. Donc ça fait pas longtemps qu'on a ça, en fait. D'accord. Ah, c'était un cauchemar. J'ai gagné 2 dollars. Ah oui, le lobby a bien changé. Ouais, il a changé, ouais. Regarde, maintenant on peut faire la collection des petits os. Ouais. Oh, j'ai 2 fémurs. Nickel. Nice. Ah oui, ça fait pas si longtemps. Ouais. Ah ouais, moi ça m'a surpris, ça. Ah merde, le timer, fuck. Mon petit timer qui me dit mort. D'accord, je suis mort. Nickel. Par contre, on a perdu nos... Moins de 2 mois, un fou, j'y suis sûr déjà. On a perdu les ghost événements. Les trucs qui faisaient peur, y'a plus. Voilà. Mais on a les petits jeux ici. Même les squelettes. Ouais. On a tout perdu. Ouais, on a des nouveaux jeux. C'est nice avec les trucs là. On a notre collection de DOS. Qu'il faut que je... C'est pour ça que je gagne du pognon et je la complète. T'as vu celui assis? N'est plus là. Non. Et on a perdu les casiers où il y avait le squelette aussi. Et on peut pas accéder à cette pièce. On a ici les trucs de journalier. Ici, on a un truc qu'on peut pas ouvrir. Là, on a notre camion. Qu'on peut pas activer, bizarrement. La radio. Je veux savoir ce qu'il y a dans la pièce. On peut pas y accéder. Enfin, si le mec est encore là. Regarde, on peut pas... J'essaie d'y entrer, je peux pas. Mais après, regarde, on voit qu'il y a une table. Une sorte de canapé, tu vois. Et un truc au fond, je sais pas ce que c'est. Ah oui, regarde, il y a un mec. Là, on voit les deux pieds. Dans le coin, là où il y a le squelette, était assise, il y a même bâton lumineux. Et ça allumait la pièce. Dans le coin. Non, pas là. Attends, je relis ta phrase. Oui, là. Ouais. Donc, c'est là où je suis. Enfin. Ici, tu mets un bâton lumineux et ça allume derrière le mur. Donc, faut que je trouve un bâton lumineux. Ça devrait pas être trop dur. Putain, le matos. Putain, ça, c'est pas ça que je voulais faire. Bah, en fait, attends. J'ai mes trucs. Les bougies. Oula.
Ils ont pris cher. Bah voilà, en fait, je crois que ça a été retiré. J'ai. Attends. Oh, torche. Ah, oh, je peux pas les ramasser. Ah, oh, c'est que du décor. Non. Non, non, y a pas. Y a pas l'air d'y avoir. À moins que je suis aveugle. Je peux ramasser ça. Je peux jeter. Mais ouais, ils ont tout retiré, ouais. Ils ont tout changé. Après, même là, quand tu fais les interactions, regarde, tu fais suivant. Maintenant, tu choisis ta map. Tu prends amateur, machin, tu modifies, tu appliques. Prêt, et tu décales. Ça a vraiment tout changé, en fait. Et vu que moi, j'ai un putain de PC de guerre, ça décale direct. Détecter, faire marcher dans du sel. Donc, on va y aller à la Wall Again. Et je vais prendre ma... Tu joues à... T'as joué au tout début, toi? Non, j'ai pas joué au tout début de Phasmophobia. Moi, ça doit faire... un an que je joue à... que j'ai Phasmophobia et j'y ai pas joué beaucoup, quoi. Je crois que je dois être à 20 heures de Phasmophobia. Je suis pas un pro, hein. Très loin. Pour ça, je crois que j'ai jamais dépassé le mode de difficulté intermédiaire seul. Après, Cauchemar, je l'ai déjà fait en multi. Et j'en ai chié sa race. Qu'est-ce que j'en ai chié, putain. Oh, j'ai pleuré. Hein. Oh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hein. Welcome. Ah, attendez. Welcome. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. on va se remettre le timer, toujours avec 5 à 10 secondes de décalage. Le beeper. On va se mettre 10 secondes. 10 secondes de survie, histoire de... On y va. C'est parti. Oh, j'ai monté mon son, j'aurais pas dû. Je flippe. Il fait pipi dans la culotte. Rien, RAS. Petit sprint pour accélérer dans les couloirs. Bébé, il va bien. Putain, bébé ourson de merde. Je vais baisser mon son. Je suis pas bien quand il a fond. Rien dans le placard. RAS dans le placard, y'a rien. J'ai entendu une porte. Y'a rien. Est-ce que les petites pantoufles sont là? Les petites pantoufles sont là. Sprint. Petit sprint. Encore ce petit sprint. Aucun os. Salon clear. La pendule. Y'a rien ici. C'est vrai qu'il y a ça aussi. La cuisine a l'air clear. Ta sœur. Ta grande sœur. Tu me refais plus jamais ça ou alors je te... T'as compris, espèce de fantôme? Donc il est là, dans la buanderie. Fuck. Tu peux pas tester de rester après 5 minutes. Bien envie de voir ce qui s'est fait. Bon, en fait, ça fait comme là, simplement, et il peut m'attaquer. C'est tout. Ça change pas grand chose au Smilblick en fait. C'est juste que je suis pas en sécurité. On va déposer tout ça. EMF2, hein.
Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Écrivez dans le livre. Il ouvre des portes. C'est la santé mentale qui provoque les attaques. Certaines attaques à 80, d'autres à... Je suis à 95 de santé mentale, hein. Je risque pas de me faire attaquer entre guillemets. En tout cas, il ouvre des portes, le coco. Hein. Cas, il n'y a pas d'empreinte digitale alors qu'il ouvre les portes. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Écrivez dans le livre. Que voulez-vous? Où êtes-vous? Écrivez dans le livre. Que voulez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Écrivez dans le livre. Oh, il n'est pas là. Il est pas là, l'estico. Ça, c'est l'appareil photo. On va devoir attendre un peu quand même. On va checker la caméra. Hein. Il a fermé la porte. Si j'ai une empreinte digitale, faut que je la prenne. Pas d'empreinte. Que voulez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Écrivez dans le livre. Température glaciale. Que voulez-vous? Où êtes-vous? Écrivez dans le livre. Que voulez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ok. Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. Température Spirit Box, je suis d'accord. Preuve. Température glaciale, Spirit Box. Checkons les à nouveau les. Alors, par contre, on sait qu'il bouge les portes. Hein. On sait qu'il bouge les éléments. Hein. Il allume les lumières parce que ça y était pas, ça, dans la barre. Donc, voyons voir. On a affaire à quoi? En tout cas, il n'y a pas d'orbe fantomatique. Donc, orbe fantomatique, on peut rayer. Alors, jumeaux mimiques. Ou celui-là. On va voir les jumeaux du coup. Jumeaux. Attends, déjà celui-là. Les morts sont émergés du monde des morts afin de siphonner l'énergie des vivants. Ils maudissent leurs victimes et celles-ci ne peuvent guérir qu'avec des antidotes ou en émergeant très loin. Ils affaiblissent pendant une longue durée. D'accord, ça peut pas être ça. Ensuite, j'avais dit que c'était un mimique ou jumeau. Les jumeaux. Cette entité a été observée en train d'imiter les actions l'une de l'autre. Elles alternent leur attaque pour déstabiliser leur proie. Chacun des jumeaux peut s'énerver et lancer une attaque sur sa proie. Les jumeaux interagiront souvent avec l'environnement en même temps. Je pars sur des jumeaux pour le moment. Ou alors mimique. Mimique. Le mimique est une entité insaisissable et mystérieuse qui imite les traitements corporels, y compris d'autres entités. Nous ne sommes pas sûrs de quoi cette entité est capable. Faites attention, plusieurs rapports indiquent des ombres à proximité des mimiques. Je partirai sur des jumeaux, puisqu'ils ont ouvert des portes en même temps. Les jumeaux, faudrait écouter s'ils bougent des portes ou se déplacent des trucs dans deux pièces. Oui, c'est ce qu'ils ont fait.
De ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, pendant qu'il y avait une porte qui se fermait, il y avait autre chose qui bougeait dans la maison. Bah, ça doit être ça alors, si tu le confirmes. Si j'ai bien entendu, c'est ça. Je partirai sur des jumeaux, moi. Partirai sur des jumeaux. Ce cercle d'invocation a l'air dangereux, putain. J'aimerais bien tester le pentacle, hein. Et, ça bouge dans deux pièces. Ah, genre, ouais. En fait, dès que j'ai vu la porte bouger, j'ai entendu tac, une lumière. En même temps, tu vois. Putain, c'était pas ça. Pardon, attendez. Pardon, pardon, pardon. C'était un Oriu entité. Les Orioles sont souvent décrits comme des esprits furieux en quête de vengeance. Ils contrôlent un entité. Et en forme. Et une forme. Esprit Xbox, orbe fantomatique, température glaciale. Je vais pas les orbes fantomatiques. J'ai peut-être mal placé la caméra. Bah, ça arrive, hein. Ah, je pense à des jumeaux. Tant pis. Tant pis pour moi. On va changer de baraque. On va changer de baraque. Pardon, 58 pièces. Wouah! Attendez, 11, 16, 16, 13. On va faire. Ah, 10 pièces. On va tester ça. J'ai bien envie de changer de map, voir. Ou pas regarder assez. Ouais, ou pas regarder assez longtemps, c'est vrai. On va changer de map. Détecter les sons, nettoyer la zone. Ça, je peux pas le faire. Oh, il me manque 5 dollars pour avoir le truc. On prend le matériel comme d'habitude, hein. On va ouvrir, on prendra les clés après. Le mimique imite les ombres, méfie-toi de ça. Ouais, le mimique, ouais. Ah, mais faut. C'est pour ça que je joue un peu en amateur, c'est pour voir un peu tous les fantômes sans trop prendre de risques, histoire de me familiariser avec tout ça. On coche ombre et paf, le mimique disparaît des suggestions. Ah ouais. Ouais, faut faire gaffe en fait, ouais. Ouais, c'est un truc piège, quoi. Bon, en tout cas, c'est assez venteux dehors. Bon, alors, comment on va faire? Ça va être quelque chose de sympathique. Étudions la map. On rentre pièce, grande, deux grandes pièces, une autre grande pièce sur le côté, on grimpe et ensuite, ok. On récupère l'EMF et on y go. EMF.
Merde, j'ai pas pris les clés, je suis trop con. Ah, je suis con. Vous pouvez le dire, je suis con. Allez-y. Vous retenez pas. Oui. Ah, mais les cons, j'en ai vu, mais alors toi, mon gars. Faut y aller, hein. Ah là, je suis peut-être mort il y a 20 ans, mais... Je peux te dire que des propriétaires fait pareil, j'en ai, mais alors toi, t'es vraiment le champion des champions, hein. Merci, monsieur. Go! Oh purée, cette... Oh là là, cette maison est beaucoup plus grande que je... Cette maison est beaucoup trop grande. Le garage, c'est ça. Putain. Bon bah... EMF 3, hein. On va le reprendre. C'est jamais, hein, les amis, on sait jamais. Oh, le petit chien. Je sais pas ce que c'était. Pas que je me perde, hein. La salle de bain, elle a l'air clear. Il y a une porte qui s'est fermée derrière moi. Une chambre. Je connais pas du tout cette map. Je suis un peu perdu et déboussolé. Une grande chambre. Putain, le lapin, il m'a fait flipper, ça. Le lapin m'a rendu pas bien. Donc là, ça doit être les escaliers, c'est ça? C'est, oh, c'est une cave, sa race. C'est une cave. C'est une grosse cave. L'exploration dure assez longtemps quand même. Hein. Je sais pas à quoi ça correspond ce bruit, mais il y a un bruit en tout cas. Bon, en tout cas, il y avait trois à la... Au garage. Donc on va essayer de revoir au garage, voir. Garage, nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est un quand même quelque chose, hein. Pas de tout. Écrivez dans le... alors, est-ce que j'ai réussi à rattraper à temps? 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 Est-ce que j'ai réussi? Oui, j'ai réussi à rattraper à temps. J'ai eu une petite baisse d'internet. Autrement dit, mon PC m'a déconnecté de ma Wi-Fi. J'ai rattrapé à temps. C'est parfait. Bon, le timer est complètement faussé parce que j'ai dû relancer un peu tout ce que j'avais. C'est pas grave. Il nous reste. De toute façon, il nous reste plus de temps. Oh, fantomatique. Eh ben, t'es venu... Eh ben, t'es venu... Installe-toi.
sais, c'est ça. Donc, orbe fantomatique, écriture fantomatique, cauchemar revenant ou le taé. Sachant que l'UMF était 2. Il n'y avait pas de température glaciale. Voilà. Empreinte digitale, il n'y en avait pas. Projecteur Dodge, j'en ai pas, donc je ne peux pas savoir. L'UMF 5, il n'y en avait pas, donc du coup, c'est Spirit Box. Si j'enlève l'UMF 5... Ouais, voilà. il m'a pas répondu à la Spirit Box, donc j'ai envie d'enlever la Spirit Box. Et donc, du coup, ça serait celui-là. Par pure logique actuelle. Fluffy, je suppose que par pure logique actuelle de ce que tu as vu, techniquement, mon raisonnement n'est pas illogique. le taille est. Parce que j'ai pas fait de souffle froid. L'EMF était à 2 en permanence. Les empreintes digitales, j'ai regardé, il n'y en avait pas. L'or fantomatique, il y en a. Écriture fantomatique, il y en a. Quand il a écrit dans le livre, je lui ai essayé de le communiquer par la Spirit Box. Il n'a jamais répondu. Et projecteur Dots, j'en ai pas. Donc techniquement, le taille. Taille, aïe, 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 aïe. Voilà. Je mettrai pas ma main à couper, mais en tout cas, c'est ce qui a le plus de chances de fonctionner. Verdict! Inspecteur Dako. Je suis l'inspecteur. Bon, en tout cas, on fait vraiment pas de fric, hein. Oh là là. On fait vraiment, vraiment pas de fric. Suivant. Période moyenne pour se cacher au début. Professionnel x 3, cauchemar c'est x 4, c'est tellement indécent. C'est fou comment je sens beaucoup plus à l'aise sur Genshi. On s'en fout de Genshi! Faut faire des parties professionnelles pour faire des sous-chefs. Ouais, je sais! Non, en professionnel, il n'y a aucun délai de préparation, c'est ça qui m'énerve. C'est que... Après, ce que je peux faire pour faire des sous en personnalisé. Ouais, je lis en diagonale. Personnalisé. Ah mais je joue à Genshi, hein, attention. Enfin bref. Du coup, Fluffy, je t'écoute. Personnalisé. Qu'est-ce qu'il faut que je change ? Parce que j'imagine bien que là le multiplicateur monte. Ouais, donc il faut bien que je monte quelque... Faut que je change des choses alors. Mais comme tu veux, je n'ai pas vraiment de stratégie. Ouais, le multiplicateur il est de récompense, il est x1. Ouais, c'est pas faux. Contrat, temps de préparation. Ah! Aha! On va se mettre 2 minutes de préparation. Donc je vais modifier mon timer. Donc je vais rajouter un timer. Texte. Okay. Donc CT3, option script. Pas T2, T3. On va mettre ça en...